Come va per vincere a Zovida qui? Certi hanno fatto la scelta dell'agricoltura, d'altri le mavere hanno fatto la scelta di uastimento, hanno fatto le intraprese qui e mandato a scontrarli da Gambia a San Lorenzo. Non ti sette paesi di Abbiaia di Valle Rusce, le imprese sono poche. In de uastimento abbiamo importante stabilità in Gambia, ma stamane o capo impresa già aspetta qualche chilometro in un cantiere di rinnovazione. Ecco la specialità di questa impresa, come oggi, qui in Cavignano. Claudio, tutto a posto? Jean-Antoine Guélini, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un entrepreneur ici, dans la région de Balai-Rouge, depuis une vingtaine d'années déjà. Comment on fait pour avoir une entreprise ici, dans le rural profond, on peut le dire? Mais écoutez, ça se fait sur le long terme. On est obligé de commencer petit. Des petits chantiers. C'est mon père qui a créé l'entreprise. Il travaillait seul avec ma mère au début. Et petit à petit, il a commencé à embaucher un ouvrier, puis deux. Moi, j'ai intégré l'entreprise il y a une vingtaine d'années. On s'est développé comme ça. Maintenant, on est neuf dans l'entreprise. Et l'entreprise s'est bien développée. On a réussi à se créer une belle clientèle de particuliers. On travaille aussi pour une dizaine de communes dans tout le canton. Dans un bassin de vie comme celui-ci, c'est peut-être pas évident de trouver la main-d'œuvre qu'il faut pour les entreprises. C'est très, très difficile. Moi, je mets tous les ans des annonces au Pôle emploi. J'ai pas de réponse. Je suis obligé de prendre de la main-d'œuvre qui vient de Pologne, de Roumanie. J'ai des Sardes. C'est dommage que je n'ai pas un seul ouvrier corse. J'aimerais, mais c'est mission impossible. Ce qui est délicat aussi, c'est qu'il faut leur trouver des logements. Je loue actuellement à l'année 4 logements pour les ouvriers, pour pouvoir les loger. Et très difficile de trouver de la main-d'œuvre. Vous pensez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le rural, dans le BTP ou autre, est-ce que c'est possible? C'est possible. Un jeune ici, il peut toujours s'en sortir. Après, c'est sûr qu'il faut, savoir travailler. Le travail, il faut le faire correctement. Mais si vous connaissez votre métier et que vous avez l'envie, ici, regardez, c'est un secteur quand même magnifique. On est en montagne, c'est calme, il n'y a pas le bruit de la ville. Je veux dire, ça a quand même des avantages de travailler dans le rural et dans une zone retranchée comme les Balai-Rouges. Merci beaucoup, Jean-Antoine Guérine. Et nous, on va continuer notre parcours dans les Balai-Rouges. On va aller rencontrer un autre entrepreneur. Il est charpentier. Il est situé sur la commune de Saint-Laurent. Et depuis quelques années, il a développé son activité en démo. Bonjour. Bonjour. Pierre Buguet, bonjour. Vous êtes charpentier ici sur la commune de Saint-Laurent. Ce matin, qu'est-ce que vous préparez dans votre atelier? Eh ben, ce matin, on se prépare pour partir à Porto Vecchio en déplacement. On a de la sous-face à mettre sur une charpente. Donc, on fait la sous-face qu'on passe à la raboteuse et ensuite à la toupie, de telle manière à créer des assemblages. Et ce matériau-là, ce procédé-là, enfin, toutes ces planches-là vont être posées sur une charpente. Pour avoir un aspect vieilli, châtaignier. Créer cette entreprise ici, au cœur du rural, c'est aussi créer des emplois. Vous êtes quatre à travailler ici. C'est participer à la vie, finalement, de toute cette région dans le rural. Ah bah tout à fait. Ouais, ouais, c'est aussi pour ça que, par exemple, on a un travailleur handicapé qui habite dans le rural, justement, mais bon, il aurait peut-être pu avoir une embauche, on va dire, en ville. Ça me permet de me dégager du temps pour faire autre chose, alors que lui va faire toute la logistique, tous mes transports. Certes, ça implique des sacrifices, mais on a quand même cette qualité de vie, quoi, malgré tout. Ça implique des sacrifices et beaucoup de kilomètres, justement, d'habiter ici. On va aller voir dehors où ça en est. Aujourd'hui, vous allez aller où avec cette marchandise? Du côté de Piano Tony. C'est quand même l'opposé d'ici. Ah bah disons qu'on a 2h30, 3h de route. Tout dépend de la circulation, c'est toujours pareil. Donc ça, c'est pareil, ça prend en compte dans les devis par rapport au coût, justement, du déplacement. Bon, certes, on le fait une fois le lundi, une fois le vendredi, quand on part en semaine en déplacement. On l'a bien compris, c'est pas les kilomètres qui vous font peur, c'est plutôt la passion de rester ici qui vous fait vivre, finalement. C'est toujours ce même refrain, hein, la qualité de vie. Et la présence de tous les habitants d'autour
leur accompagnement pour vivre justement dans cette région qui m'est chère quand même. Même si j'en viens pas, j'en suis pas natif. Merci beaucoup Pierre de nous avoir reçus ce matin, on va vous laisser travailler. Merci François Bert. Voilà, nous on va continuer notre route sur tous les chemins de Balai Rouge et tout azimut en aiguille des Sablières.